Je m'appelle Rubén Fuentes. Je suis artiste peintre. Je suis né à Matanzas, une petite ville à l'ouest de Cuba. Après de finir mes études à l'Institut supérieur d'art de La Habane, je commence à être intéressé par le paysage. Cet intérêt devient plus fort pendant mes études de master et doctorat à l'Université Polytechnique de Valence, Espagne. La nature est une source inépuisable d'inspiration. La forêt cubaine, exubérante et foisonnante, a toujours attiré mon regard. Dans mon village d'origine, il y a des lieux qui ont devenu sacrés pour moi. C'est le cas de ces ponts sur la rivière du Yumuri. Mon travail pictural a une influence de la peinture chinoise, japonaise et le bouddhisme zen. Caractéristique établie par le philosophe Shinichi Hisamatsu dans son livre « Les Zen et les Beaux-Arts » sont présentes dans mes tableaux. La symétrie, la simplicité, la réserve profonde et la tranquillité. À partir de l'exposition « Paysages mentaux » à l'Institut Confucio de Valence, Espagne, et de les expositions « Donde está Cuba y hacerse el chino » à l'avant-galerie de Zurich, Suisse, mon style paysagistique est consolidé. J'habite à Paris depuis le 2013. Ici, je suis représenté par la galerie Feli. Dans cette galerie, j'ai fait l'exposition personnelle « L'essence du paysage » avec un bon retour du public parisien. Aussi, dans l'année 2015, le musée de la chasse et de la nature a acquis une de mes œuvres, Ours Montagne. Installée à la salle des oiseaux, cette commande dans un important musée à Paris a ouvert la porte à une autre galerie, Dumonté, avec siège à Paris, à Shanghai et à New York. La série Les rêves du chaman est dédiée à l'animal en tant que symbole du lien sacré parmi la nature et les humains. Cette exposition aura lieu à la Galerie Dumonté, Paris, en décembre du 2016. Pour moi, c'est aussi très important l'écologie. Selon le philosophe et professeur de Sciences Po, Bruno Latour, on habite dans la période dite anthropocène. L'être humain devient la force géologique plus importante dans la planète. Cette activité incontrôlée a occasionné la destruction et déstabilisation des écosystèmes. Mes peintures représentent une force contraire à celle de l'anthropocène, où la nature peut récupérer ses espaces verts.